précédemment dans The Dream. Tue-le. Mais non, t'inquiète, il est pas méchant après toi. Je veux pas, pourquoi il me suit moi, Fantaïs? Est-ce que c'est pas toi qui l'aurais invoqué? Il est moche, je veux pas. Ah mais c'est ton mignon, c'est ton mignon. T'es adopté, je t'aime pas. Voilà, déjà on commence comme ça direct. Salut à tous les amis, ici Fanta, un flic connu sous le nom de Fanta, et je suis en compagnie de Bob Lennon. Salut Bob. Wouah, chez Fanta, l'attaque queue acier prend tout son sens, sans aucune forme de pitié. Fatal foudre, ah, c'est du grand n'importe quoi, et bonsoir, je suis Bob Lennon, et bienvenue dans The Dream, où lors de l'épisode précédent, j'avais fait sortir de ce monde horrible, atroce et sans pitié, une abomination absolument adorable. Oh, Kiki. Moi, me met la flip, et en fait, tu sais ce qui me fait peur, j'ai compris en fait. C'est les pieds d'araignée, non? Non. C'est qui te suit. Oui, déjà ça c'est un peu flippant, mais c'est surtout en fait qu'il est déconstruit. C'est ça en fait. Tu sais, quand je te disais j'ai peur des sous-marins, j'ai peur de l'environnement un peu steampunk, j'ai peur de tout ça ou autre, c'est parce qu'en fait il y a des boulons, il y a des fuites, ça goûte, il y a des câbles qui pendent. C'est parce que t'as l'impression que tout est... Ouais, ça colle pas. Et monté à la piste, tu vois, c'est monté à l'arrache, c'est soudé, mais en mode berbère, quoi. Et du coup, voilà. Alors que Kiki, quand je le regarde en second, il est trop mignon. Allez, bah suis-moi, Kiki. Putain, au moins je peux accepter d'avoir la garde. Que pas. En tout cas, on a eu beaucoup de fan art avec Kiki. Ils sont très très mignons. Putain, je vais essayer de pas flipper. Hein. Je vais finir par m'y habituer, mais. Moi, ça me pèse. Alors, attends. Par contre, pour l'autre coup, j'avais l'intention de construire un autre... Oh, putain, mais il me flippe, ce Kiki. J'avais l'intention de construire un autre... un autre mignon, mais de manière différente. Alors, Fanta, j'ai besoin que tu pousses la moto. Ok. Monte à bord de la moto volante, t'avances genre un petit peu au-dessus de la flotte, puis tu te poses. Voilà. Je vais pousser un peu la voiture. Il flotte, le Kiki. En fait, t'as raison, il est plutôt mignon. Mais en fait, j'ai l'impression que l'avant est à la place de l'arrière. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est quand même bizarre, tiens. Tu es un peu monté à l'arrache, hein, il faut l'avouer. Ouais, j'aime bien. Ça va être trop dangereux, Kiki. Tu es gentil. Putain, tu fais flipper, Kiki. Tu fais flipper. Mais mets-le dehors, qu'il prenne l'air un peu bronze. Il prend l'air, mais j'ai juste dit de rester là. Ouais, t'as bien fait. Parce qu'on va avoir besoin de la place. Alors, Fanta, on va se mettre peut-être un peu là sur cette petite surface. Et on va creuser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je crois que ça devrait suffire. J'espère que ça devrait suffire. Il faut qu'on fasse une barrière et ça va être hop et hop. Voilà, un peu comme ça. Ça devrait être plutôt pas mal. Alors, pour avoir une bonne recette de dragon. Oh, c'est un dragon carrément que tu nous fais. Oui, l'œuf de dragon, tu te souviens? Il faut faire cuire un dragon. Hein? Parce que l'œuf de dragon, c'est délicieux. Et comme voilà, donc tu vas mettre des seaux de lave. Tu veux que j'aille en chercher peut-être pour te... Non, c'est bon, j'en ai neuf. Regarde, 1, 2, 3. Excuse-moi, je recharge. Je recharge le fusil à l'énorme. Ah, ça c'est pour faire un dragon de 4, feu, je crois, non? 5, tout à fait. 6, je recharge. 7, 8. Wow. Et 9, dans le doute. Hein. Voilà, j'en mets 9 parce qu'on doute et on peut se permettre. Du coup, voilà, nous avons ça. C'est beaucoup de lave, ça fait beaucoup de lave. Oui. Je vais poser un œuf de dragon. Il peut faire plusieurs types de dragons. Apparemment, on peut faire des dragons élémentaires. Selon ce qui entoure le dragon au départ, ça fait un dragon. Si tu le poses sur de l'herbe normale au pif, ça va faire un dragon tout à fait normal. Si tu le poses et que tu le fais éclore autour de cubes représentant l'ender, ça va faire un ender dragon. Si tu l'entoures de flotte, ça va faire un dragon de flotte. Entoure de feu, ça va faire un dragon de feu. Et si tu le mets dans les souterrains, j'ai aucune idée. Je crois que tu peux faire un dragon squelette ou un dragon zombie aussi. J'en ai aucune idée. Toujours est-il que voilà, je le pose. Après, éloigne-toi et fais attention. Oh, oulala. Est-ce que t'as cliqué dessus? Ouais, j'ai fait un clic droit dessus. Il faut pas, ça le téléporte l'œuf. Quoique. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut plus le toucher là maintenant. J'ai essayé de cliquer droit aussi, mais ça ne m'a pas marché. Du coup, n'y touche plus, laisse-le faire.
Il se déplace quand tu pousses, j'ai Ouais, il l'impression. se déplace. Ah merde, c'est pas vrai, je l'emmène avec moi. Non, c'est. Il te suit? Il te suit? Essaye un clic droit dessus. Oh, j'espère que j'ai pas cassé ton œuf. Non, je pense pas que t'as cassé. Tu m'as cassé les œufs. Oh merde, merde, il est tombé là. Oh, je pense pas que. Écoute, moi ce que je propose, c'est qu'on le touche plus. Oh, mais le fail, Non, non, le fail à non, non, l'extrême. c'est pas un fail. Il faut quelques temps, quelques jours ou quelques minutes pour que l'œuf éclose. Donc moi ce que je propose, c'est maintenant on a mis le setup. Au contraire, t'as cliqué droit dessus, tu l'as activé, ce qui fait que t'as fait éclore l'œuf. Mais du coup, avant qu'il éclose, il faut un peu de temps. Et du coup, ça va donner un bébé dragon. Et on reviendra vers lui quand il sera sorti. En attendant, Fanta, je t'invite à t'éloigner. Déjà pour que je vérifie si l'œuf te suit. L'œuf te suit pas. Donc tu vois, t'as bien fait finalement. C'est pas grave du tout. Mais du coup, je pense que ça va être toi, sa maman. J'en ai bien peur. Non, 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 mais Bah il faut. écoute. On a fait un fail là, tu crois? Non, 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 il est clos, il est Mais il est clos, pas il au suit son milieu cours. là, il est pas au milieu. Et si tu fais un Eh, il clic est. droit, t'as pas l'avancée? Je crois que t'as l'avancée en Comment pourcentage, toi. dire? Non, pas du tout. Oups. Ah, t'as réussi à le sortir. Bah, mets-le au milieu, Oui, tiens. je lui ai donné un coup, forcément. Je lui ai. Touche plus, touche plus, touche plus. On s'éloigne de l'œuf et on n'y touche plus, je propose. Parce que je lui ai mis deux trempes dans Ouais. sa gueule et voilà. Si je commence déjà à faire de l'abus domestique sur ce pauvre œuf avant même qu'il soit éclos, ça veut absolument rien dire. Kiki, tu viens avec moi, Kiki. Voilà, ça c'est un gentil Kiki. Kiki, tu vas trop loin, Kiki, qu'est-ce que tu fais? Kiki? Kiki, va vers l'œuf. Pourquoi tu vas vers l'œuf? Oui, Kiki, c'est ton cousin. Ton cousin, ton petit frère. C'est toi le papa, c'est moi la maman. C'est Kiki le papa. Et Bon, c'est toi la maman. c'est ton cousin frère. Je propose qu'on laisse Kiki le garder. Apparemment, il s'est mis Il l'aime bien. la fonction de garder l'œuf. Laissons Kiki. Voilà, Kiki va faire. Kiki, tu le couves, hein. Et tu fais gaffe que ça te brûle pas trop les. Ça a des couilles, une araignée? Non. Mais ça dépoile. Bon, tu fais gaffe quand même, hein. Oui, mais c'est un squelette. Oh, putain, ça fait absolument aucun sens. Dans Où tous les tu cas. vas? Ah oui, tu voulais aller voir les Où est-ce que mignons. je vais Ouais. faire? Je vais aller voir les mignons, les larbins qui ont travaillé pendant tout ce temps pour nous rapporter des délicieuses ressources en creusant et en creusant la Ah bah les terre miens, ils ont rien foutu. avidement et sans pitié. Les tiens, ils ont rien foutu? Regarde ton coffre. Brouh! Oh Enfin, ça, génial! c'est Alors bien. là, je vais pouvoir prendre les fossiles. Alors, attends. Du coup, pour prendre les fossiles. Mais on compte, parce qu'il n'y a pas forcément. Je vais tout prendre et je vais les ranger après, si tu permets. Il y a Mais du 26 coup, il y diams, a ouais. 26 diams. Ça fait Ah ouais. plaisir. Un stack d'or, de tin or. Le tin, c'est de tin. Tu sais, c'est des boîtes de conserve. Bah c'est l'étain. C'est de l'étain, voilà, merci. De l'aluminium, un stack. Un stack d'argent. Non, non, c'est les Un tiens, stack. ça, c'est les tiens qui ont Un bossé comme stack des de princes. fer. Un stack de cuivre. Un stack d'acier. Un stack de cuivre. Et un stack de marbre, parce que ça respecte. Il y a aussi un stack de plomb, ce qui fait plaisir. Du flint, du charbon, de la poudre quantique. Du lapis-lazuli, de la redstone. Et bref, à part la cobble, sincèrement, regarde, une fois le coffre vidé de tout ce qu'il y a de la valeur, regarde un peu ce qui reste. Ah, c'est vraiment Il cool, hein. y a quand même peu de trous, tu vois. Enfin, il y a quand même pas mal de trous, tu vois ce que je veux dire, comme quoi ils ont été vraiment, vraiment, vraiment utiles. Ouais, il Donc va tout falloir ceci va continuer. aller dans le sacro-saint pulvériseur. Et du coup, voilà. Sinon, Fanta, toi-même, tu voulais reprendre éventuellement les expériences démoniaques, ataviques et sans aucune Oui. forme de pitié, Alors, je ou fin voudrais fond. signaler que à la fin du dernier épisode, je suis tombé dans la lave. Et en fait, je suis tombé dans la lave à travers cette trappe. Enfin voilà, c'était vraiment le fail, mais on n'a pas filmé. Du coup, c'est pour ça que j'ai retrouvé toute la durabilité de mes équipements, parce que je me suis redonné un par un bah, au début d'épisode. Voilà. Ah oui, et c'est vrai, et c'est comme on avait comptabilisé que c'était finalement une action qui avait été hors caméra, ça compte pas. Voilà, non, je précise parce que pourquoi l'épée elle est au max et tout, voilà, tout simplement. Ah, Donc ça va. tout ça pour vous dire que moi j'ai aussi envie de me faire mon mignon parce qu'il n'y avait pas de raison. Et en fait mon erreur a été d'avoir la main pleine au moment où j'ai fait mon shift-click. Donc je vais Ah là descendre un là. petit peu dans les profondeurs. Ça c'est la faille, hein, c'est la faille, la main pleine. Ah merde, il faut que je Ça arrive fasse des mes vampires. morceaux, faut que je fasse mes morceaux. Ça arrive Alors. des vampires. Là, du silicone, tac tac tac, ça s'est mis. Pourquoi Hop, le j'arrive diamant. pas à... On a 52 diamants, hein, ça respecte ici. Hein. Ça respecte. Hein. Ah purée. Et enfin, on va éventuellement essayer de répondre à la question, est-ce qu'on peut tondre Ah les nonnes, bien à les sûr. nonnes?
ce Très sera un très petit peu ça aussi. important. Ouais. Et si tu pouvais me ramener des fils d'araignée, ça sera super. Il y en a plein. Kiki est en train de surveiller l'œuf. L'œuf pousse toujours. Tout se passe bien pour l'œuf. Donc là, je fais le format de la tête. Alors, je vais lui mettre un cerveau et je vais faire une tête de squelette. Hein, tête de C'est bon ça. squelette. Ah, il me faut deux yeux aussi. Clac, clac. Alors voilà du fil. Lance-toi à fond fort. Tintin. Ok, Voilà. merci, ça c'est cool. Alors, pour le buste c'est comme ça. Du Clac, coup, je vais clac. poser le seau de lave parce que ça ne sert absolument plus à rien. Non, il faut aussi des places pour les bras. Ah, il faut savoir qu'en off, j'ai pêché, par contre, hein, ça je l'ai fait pour de vrai, j'ai la vraie canne à pêche avec la durabilité complètement niquée, j'en ai fait trois comme ça. J'ai pêché pour récupérer du poisson parce que apparemment, il faut savoir que notre cher bébé dragon mange du poisson. Ah ouais. Du poisson cru ou du Fanta cru. Mais comme le poisson est une ressource inépuisable là où le Fanta est une ressource relativement limitée. Aussi bien en termes de quantité qu'intellectuellement, j'aurais pensé que Ouais, c'était. va te faire foutre. Pardon, la vitesse du mal parlé qui se déclenche, tu sais, C'est ça, le c'est mec, au cas où j'écoute pas, tu sais. C'est ça, pour être sûr, tu sais, pour voir si le mal parlé sort ou pas. Et du coup, j'en ai pris un peu de Alors. côté, et là, je continue à pêcher dans mon temps libre. Même s'il y a des zombies, j'en ai rien à foutre. Alors moi je vais essayer de faire des jambes de vache. Non, c'est pas avec du cuir, peut-être avec du bœuf. Ouais. Alors c'est bon, hein, j'ai tout ce qu'il me faut. Hein. J'ai une tête de squelette, des jambes de vache et un corps d'araignée. Alors pourquoi j'ai pris le corps d'araignée? Tout simplement parce que c'est le seul qui est montable. Moi mon mignon, je vais lui mettre une selle en fait, vous voyez. Alors, mignon, mignon. Montre-moi comment tu es beau. Et comment on l'appelle Kiki 2? Ça dépend. Mimi, j'aurais appelé moi. Oh putain, je me suis empoisonné contre la fontaine de sang. Je me mets sans rien dans l'inventaire et. Kiki et Mimi, si je peux voir la bestiole. Shift-click? Non, c'est shift-click? Ouais. Oh, t'es trop mignon toi! Un peu le machin. Félicitations, tu as fait ce que toute personne censée en jouant à sport a fait aussi. Tu as créé une race alien en forme de bite à deux pattes. Ouais, Voilà. alors là je viens de lui mettre une selle, mais ça marche pas. Et ça fait bugger? Bah, moi ça me fait bugger son Ouais, ça fait skin. bugger son skin. Bah, tu as fait une bite à deux pattes violette. Violette et noire. C'est stylé! C'est stylé, il y a un style. Et arrête de t'empoisonner contre cette fontaine de sang, elle est juste là pour la décoration, ça veut rien dire. Allez, viens, viens, Mimi. Hop, je mets dehors et je vais voir si quand même je peux lui monter dessus. Parce que l'intérêt de mettre un corps d'araignée, c'était pour pouvoir le monter, le machin. Oui, c'est monter une créature comme ça, c'est suggestif, c'est très Fantabob Show finalement comme idée. Je t'en prie, vas-y, Ah! Ah bah non, je suis pas dessus. Bon, au final, ça marche pas des masses. Cependant, moi ce que je Pourquoi? remarque, Ah et non, il me dit less shift for this month, mais je suis pas dessus. d'accord. Bah écoute, je pense sincèrement pas qu'il est montable pour une raison simple, Fanta, c'est qu'il est trop petit. C'est toi qui es trop petit. Non mais je veux dire, t'as fait un Yoshi squelette, hein. Regardez les enfants, c'est un Yoshi. Hein. En tout cas, il est sublime et moi je Il est l'aime. adorable. Ouais. Il est adorable, il est adorable. Avec sa texture buggée, je le trouve sublime, moi, pour le coup. Ça me Le fait chier la dragon, texture comment buggée. ça pousse le dragon? Ça pousse. Qui le surveille? Qui surveille le dragon? On va mettre Mimi avec. Alors. Tiens, saute Mimi. Hein? Je sais Kiki a pas, pardon. poussé le. Pourquoi ils attaquent l'œuf? Attaqueraient-ils l'œuf? Y a-t-il une raison pour laquelle ils attaqueraient l'œuf? Non, non, ils l'ont poussé parce qu'ils sont Moi, je tape inutiles. dedans parce que je le remets, mais tu vois, et j'ai aucune idée de comment ça fonctionne, hein, encore une fois. Hein. C'est la découverte, chers amis. Bob, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. Oh là là, j'arrive pas à croire qu'ils n'ont pas encore compris qu'il faut faire ça. Mais ta gueule! Hein? Si vous pensez vraiment que c'est facile, je viens chez vous, je prends un œuf et je suis sûr que je peux vous l'insérer dans le cul sans le casser. Vous allez voir un peu si c'est pas dur. Ah putain, ça veut rien dire. Alors je descends, je peux faire un autre truc aussi, mais je sais pas à quoi ça va servir du coup. Un autre mignon? Non, c'était pour faire une canne à pêche spéciale. Une canne à pêche spéciale. Parce que moi j'aurais proposé éventuellement un autre mignon, puis on fait un enclos, on les laisse dedans.
En fait, tu peux. Mais normalement, c'est quand tu les montes. Alors, il y a eu un problème, je sais pas. Peut-être c'était un corps de cochon, hein. Peut-être je me suis planté. C'était peut-être un corps de cochon pour la selle. Il fallait. Oui, pour les selles, c'est sans doute un corps de cochon, tu me diras. Ouais, Ça tout à paraît fait. logique. Ouais. Ça paraît logique. Il y a du bois quelque part. Il y a du bois. Oui, ça doit traîner, on en a du bois dans les caisses, ça pose aucun souci. Ce que je vais faire, moi, de mon côté, c'est invoquer les larbins et recommencer un minage digne de ce nom. Ouais, c'est bien. Super efficace. Oui, voilà pour la beauté de la C'est forme. pas C'est juste que voilà, ici. ça douille bien quand même. Allez. Nya, Oh là. nya, nya, Ouh là là, nya. c'est buggé moi. Oh, nom, 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 nom. Je vois un Enderman au loin, sauf qu'on n'a plus besoin d'eux. Nya. Ok, dig mineshaft. D'accord. On l'entend faire jusqu'ici, ces conneries. Clac. Hop. Et un cerveau. Un cerveau. Et une canne à pêche, s'y fait. Un cerveau canne à pêche. Ce qui permet d'attirer son mignon. Ah, et tu crois que je peux influencer le mignon de Bob? Il est où? Il est avec toi, Kiki? Non, non, Kiki, il est vers l'œuf normalement, non? Regarde, j'ai un cerveau canne à pêche. Enfin, une canne à pêche avec un bout cerveau. C'est pour attirer Avec un mon mignon. cerveau. D'accord, c'est adorable. Kiki, normalement, il est censé être vers l'œuf. Bah alors, il est où, Kiki? Ah, et du coup, que je lui dise de rester ou pas. Ah bah, Kiki a disparu. Bon, bah, Peut-être il est Kiki est mort retourné brûlé? dans la nature. Non, non, peut-être qu'il est retourné dans la nature. Fanta, peut-être qu'il vit heureux avec les petites fées, tout ça. Je sais C'est pas. ce qu'on dit du poisson rouge quand il est mort. Oui, Kiki a tout. Là. En même temps, Kiki était déjà mort, techniquement, les enfants. Tiens, tu veux qu'on se foute au lit comme ça on aura le jour, ça sera vachement plus agréable. Ça sera plus tard, ça sera plus. Vas-y, hop, vas-y. Tac, tac, Oh, tac. Kiki, moi je l'aimais bien. Je me sens mal à l'aise de dormir alors que ce machin me regarde. Qu'est-ce qu'il fait? Il est comme mon chat, il monte sur les meubles. Non! Non! Il Méchant chie Kiki! pas sur ton bureau celui-là. Méchant! Voilà. Il respecte. Alors, moi je voulais faire d'autres trucs. On a du verre ou pas? Oui, on a plein du verre, c'est dans les matériaux. Ouais, on en a plein. Oh, putain, par contre, moi c'est dingue. Alors, je vais ranger tous mes trucs pour l'instant nécromancie que je vais mettre de côté. On a vu déjà les patterns. Vous avez vu, les patterns sont assez simples. Vous avez juste à remplir les cases manquantes par les mobs que vous voulez. Enfin, les éléments des mobs que vous voulez. Alors, sac, 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 sac. Et c'est parfait. Donc, en fait, je voulais commencer à voir avec vous le mole Paléontocraft. Enfin, les dinosaures, en fait. T'es là, Bob? Oui, tout à fait, je t'écoute, et oui, les dinosaures continuent. Je suis en train de bosser avec J'ai vu que tu avais les larbins. récupéré quelques fossiles, et moi, il va me falloir plusieurs machines. Déjà, il me faut du fer. On a du fer ou pas? Oui, on en a plein du fer, on a que ça. Alors, tes petits larbins, ils ont miné des trucs super sympas, et ça va être ça. Et ça va faire une machine. Une machine à la Jurassic Park. C'est un analyzer. Ça permet d'analyser les ADN. Ah bon? Ouais. Mais Formidable. Je suis en train de revenir et. Oh, j'ai vu qu'il se passe des choses à l'œuf. Regarde, l'œuf, il explose. Ok. Et Regarde, va voir, viens voir l'œuf. Viens voir l'œuf, viens voir l'œuf. Regarde, 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 l'œuf, 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 oh l'œuf, 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 putain! l'œuf. Ça bouge. Mais c'est Ça bouge, génial! Fanta. Ah, putain, ce Mimi. C'est rien, c'est tête de bite. Il est adorable. T'es adorable, t'es un gentil Mimi. Bref, tiens, voilà un œil d'araignée, nourris-toi. Il ressemble pas à ça. À quoi il ressemble plutôt? Moi, il ressemble à une araignée avec des jambes Non, c'est vraiment un phallus sur pattes, hein, Un petit, alors. Un petit. Ouais, oui, bah oui, mais c'est un mignon, tu vois, un gameplay. Mais tu vois, il est clos, il est clos, il est clos. Bon, je pense que ça lui prendra encore un peu de temps, mais. Tout à fait. Donc là, j'ai fait un analyzer et comme tu as vu, j'ai mis des fossiles dedans. Et en fait, ça va donner des choses. Là, j'ai Ça récupéré des ressemble à un flints, four. j'ai récupéré une stone tablette. Alors, je sais pas c'est quoi. Oh, aucune idée. Je vais mettre à analyser le reste. Tu as pris tous les fossiles? Parce qu'il y en avait dans le coffre au sous-sol Non, du pas du tout. J'ai pas pris tous les fossiles. On va tous Bah, les j'arriverai. analyser. Ouais. Je vais te les apporter. D'ailleurs, Et comme. je me rappelle que il y avait des fossiles en bas dans la caverne, donc je vais y Oui, retourner. c'est ça. Je viens de prendre des fossiles dans la cave. Et. Non, non, dans la caverne, en dessous ici, là, t'as rebouché un truc, toi. Il y avait une falaise. Ah, oui, tu peux tomber grâce à la flotte qui tombe sur le bord. Ah, merci. C'est plus facile, plus pratique. Quoi? Voilà, j'ai rapporté tous les fossiles que je possède, les Non, 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 ça a biofossiles. été rebouché, mon Bob. Où ça, où ça?
C'était bouché. Avant, on pouvait aller en dessous. En dessous? Bah non, non, il faut, suffit de tomber. Non, par là, Fanta, regarde. Là où il y a les bambous. Tu vois, il y a de l'eau qui coule. Ah oui, bien joué. Ça permet de s'insérer et ça évite qu'on ait tous les désagréments tels que les monstres, les zombies, toutes ces saloperies, bref, voilà quoi. Du coup, les biofossiles ou toutes les saloperies, je les mets dans le Dans l'analyseur, ouais, s'il te plaît. pseudo-four. Ok, bah. Ok. Je prends la bonne mille. Alors, il y a Fernseed, je sais pas ce que sont les Fernseed, et un plésiosaure. En fait, je vais faire Oh, un plésiosaure! Super! C'est quoi un plésiosaure? Aucune idée. Mais dans ce cas-là. J'ai le droit d'être content. Oui, le gars il a l'engouement, tu sais. Oh super! Qu'est-ce que c'est? Aucune idée, mais ça a l'air génial. Ok. À mon avis, Ça c'est un va dinosaure manger quand même. notre famille, on va rien comprendre. Ça va nous manger notre race. Non, il y a moyen, il y a moyen. Alors déjà, il va falloir, je crois, extraire de l'ADN. Je sais pas trop le maîtriser, hein. Il y a juste le Et machine que j'ai en tête. Nautilus DNA. On va Ouais! faire le hélix fossile, le Oh, c'est sacro-saint bien. hélix. C'est bien. C'est bien, Bob. Alors, Alors, je mets tout dans le coffre à côté parce que il me faut voilà. du cactus. Je crois que j'en ai en stock quelque part. Du cactus là-bas, il y en a qui poussent là sur le bord, on en a mis. Ah, ok. Ah oui, j'étais parti au début de l'épisode précédent. Tout à fait. On a toutes les formes de bambou maintenant. D'ailleurs, le bambou a bien poussé, hein. On devrait le récolter au passage. Alors, du flint et un truc de brachiosaure. Oh, je sais ce que c'est les brachiosaures. C'est les longs pieds. C'est les longs coups. Ah, génial! C'est les longs coups, tu sais, comme dans Le Ouais, Petit tout Pied et à la Vallée fait. des Ouais, Merveilles. dans... Il y avait un super film que j'étais quand j'étais gosse, Le j'aimais Petit bien. Dinosaure et la Vallée des Merveilles, c'est ça, c'est ça. Non, ça c'est moi ouais, un truc plus vieux. C'était. Broken Ancient Sword. Waouh! Oh, qu'est-ce qu'on peut en faire? Et tu sais, il y a des scarabées spéciaux, des trucs incroyables. Tu peux faire des armes de ouf avec ça. Alors, j'ai le verre, j'ai tout ça. Et du gravier. Il me faut un seau d'eau. Un seau d'eau. T'as un seau vide sur Oui, toi? on a plein dans le coffre à côté de la machine à lave. D'ailleurs, merde, la dynamo n'a plus de piles. Fuck. Et s'il nous reste des laves? Ah, super. 1, 2, 3, 4. Allez, hop, Ok. hop, hop, hop. Voilà. Et Tac, c'est tac, tac, parti mon tac. kiki. Alors si tu veux voir le craft, c'est tout de suite. Je m'en occupe. Et c'est pour faire la deuxième machine qui va servir pour le... Elles sont assez simples à faire. Hein. Fossile archéologie. Putain, j'ai oublié de prendre le verre. J'ai vu que t'en avais ici. Clac. Il y a tout le système qui fonctionne. Ça y est, ça Alors je le marche. mets ici. Il y a ça ici. Il y a un seau d'eau au milieu. Hop, il y a un cactus sur le dessus. Et il y a une base en fer. Ah, il manque du fer, Bob. Du fer, pas de Trois souci. Attends, lingots. je vais. Trois lingots. On a ça. On a ça. Alors, iron ingot, Et je 1, crois que 2, c'est un truc 3. qui sert à cultiver l'ADN en fait. Je vais le mettre. Du coup, oui, en bas. Bon, bah, allons-y. Ouais. Ça? Ah, ça marche pas. Ça marche pas. Qu'est-ce qui marche pas? Oh mon Dieu. What the Attends. fuck? Ça s'appelle. Attends, Shapeless Crafting Ah, Smelting tout simplement, c'est que c'est pas des morceaux de cactus, c'est des morceaux de cactus transformés qu'il faut. Eh. Transformé, genre comment? Mais non, c'est quoi? C'est quoi? Il y a un truc qui me manque. Bob, petite ellipse, je sais pas c'est quoi qui me manque. C'est un truc vert, ça ressemble à du produit à cactus, mais c'en est pas. Ah. À tout de suite. Ouais, en fait, j'ai même pas eu besoin d'aller chercher sur Google, mais Bob a tout de suite compris. Parce qu'il a Google. Non, non, même pas. Oh, ça va, s'il te plaît. C'est juste qu'il te faut du cactus green. Et je me souviens que c'est Ouais, il faut comme les. faire le Enfin, cuir. en fait, il te faut de la peinture verte. Et pour avoir la peinture verte, elle est la naissance de la peinture. Non, pas dans un vrai four, mais le dans un faux, là. Ah Dans non, le non, mais fer dans rétro. un. Dans là, c'est bon, c'est parfait. Oui, mais ça va 3 fois plus vite. C'est pour ça, en fait. C'est bon, c'est fait. Ok. Mais toujours est-il que, voilà, il faut faire cuire le cactus pour obtenir de la peinture verte. Et pendant ce temps-là, mon bébé dragon est toujours en train de grandir. Surveillé, d'un œil aguerri, langoureux et fiable par Mimi. Tandis que Kiki est toujours perdu quelque part dans la nature, malheureusement, mais. Ah oui. Alors en fait, il faut poser l'ADN et il faut l'alimenter en matière organique. Ça peut être de la viande, ça peut être un seau de lait. Alors t'avais un ADN, t'avais un œuf ou un... T'avais quoi? Que t'as récupéré quoi comme ADN toi? C'est dans le coffre à côté, hein. C'est dans le coffre à côté. Matière organique, je vais trouver ça. Des pommes, ça On fait marche? un brachiosaure ou un plésiosaure? Oh, un brachiosaure, c'est marrant. Ok. Est-ce que j'ai des côtes de porc, ça Tu marche? peux pas te mettre en vache pour voir si je peux prendre du lait sur toi? Oh, ton dragon! Oh! Il est magnifique! Oh, il est là! Oh, il est mignon! Attends, il faut pas qu'il se barre. Ben, Petit, 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 va petit! l'apprivoiser, je sais pas, fais quelque chose, c'est toi le Oui, père. je m'en charge. Tiens, là, regarde. Oh!
Eh, trouve-lui un nom épique, hein. J'essaie de lui donner du poisson. Ça ne marche pas. Peut-être de la viande? Comme il s'en fout. Ouais, c'est ça, il s'en contrefout en fait. Attends, je vais peut-être le poser comme ça, genre je le jette. Je crois que j'ai un peu de viande de vache en bas. Ça. Le dragon doesn't follow your command, mais il. Ah. Mais pourtant, il me regarde, tu vois. Ouais, bah c'est déjà ça, c'est qui Le t'aime. dragon ne suit pas mes commandes. Ok, il ne suit pas mes commandes. Pas de panique. Je Pas de t'emmène de panique, la pas de viande au panique, pas cas de où, la panique. viande Ouais, crue. voilà, apporte tout ce que tu as en termes de bouffe. J'essaye les myrtilles. Il veut pas des myrtilles. J'essaie du Tiens, tiens, poisson. tiens, attrape ça. Non, 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 reviens ici, reviens ici. Gentil dragon. C'est à Gentil. terre, c'est Non, à terre, c'est derrière toi. là. Non, mais oui, mais il se barre. Il se barre, il se barre. Reviens ici. Ah oh, putain, bâtard, ce dragon. Là, attends, Tiens. je vais essayer de le stun. Regarde ça! À manger! Oh! Il est stun! Vite, Fanta, profite-en. Ben c'est Il stun, toi. donne. Oui, Ah mais oui. donne-moi tout. Ok. Donne-moi tout, donne-moi tout. Ok. J'ai des carottes, non. Merde, c'est derrière toi. Là, ça, rebif. Du bœuf. Du bœuf. C'est du bœuf. Allez, patapute. Putain, c'est Ta la merde. pute. Oh fuck. Tu crois qu'il T'as boit des entendu seaux de ça? lave? Ouais, il aime pas Ouais. trop. Bah écoute, d'ici le prochain épisode, on peut apprendre à s'en servir aussi, hein. Attends, pas de Tu veux panique. une Oui, mais je petite voudrais pas le ellipse? perdre. Je voudrais pas le perdre de lui. Je voudrais pas le perdre de Petite lui. Je ellipse voudrais pas pour le que tu ailles perdre. vérifier? Attends, petite épice. Est-ce que tu peux aller cuire ça en fait? Du Non, viens poisson ici, reviens cru, ici, reviens. cuit? D'accord. Va le faire cuire, va le faire cuire. Je suis persuadé que ça se trouve. Je suis sûr que le poisson c'est une bonne idée, mais ça se trouve il le préfère cuit. Peut-être il faut que je me baisse. Alors, hop, je récupère ça, je balance le poisson-cueil. Merde, je l'ai tapé, j'aurais pas dû. Je voulais pas. Père indigne. Ouais, mais écoute, hein, il me respecte ou il me La respecte gazinière pas. qui travaille dur pour toi, là. J'espère. Il suit, apparemment il me suit. Putain, il fait un de Et ces du coup, bruits. moi, il m'a déconcentré, le Bob. Ah, Y a pas de... Ouais. Je me demande si les pommes de terre crues, non, ça peut le faire. Le poisson? Pour l'ADN, l'ADN. Oui, non, mais... Non, ça sera de la viande crue. Viande de zombie, ça peut le faire? Aucune idée. Non. Non, non, c'était de la viande crue, c'était une bonne idée. C'est toi qui as la viande crue, hein? Ouais. Poisson est presque cuit. Attends. Faut du lait, en fait. Un seau de lait. Oh mon Dieu, tellement de découvertes. Ah. Comment ça fonctionne? Tac, tac, tac. Non, 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 Allez, faites-le. non, Dragon Mounts. J'ai deux Non, reviens poissons, j'ai ici. deux poissons. Regardez. Que je t'envoie. Et moi, je vais trouver une vache. Une vache. Ah bah, il n'y Okay. en a pas des vaches ici. Oh, c'est Ok, bien. merci. Deux poissons cuits, je vais essayer. Non, ça ne l'intéresse pas. Ça ne l'intéresse pas, et même mieux, il m'attaque. Il Hein? m'attaque maintenant. Ça a posé un souci. Bah oui, je lui ai mis une quille, donc forcément, il va réagir de manière hostile. Mais en fait, je pense très sincèrement. Là, c'est bon, il a arrêté de m'attaquer. Il a arrêté de m'attaquer pour rien. Il a arrêté de m'attaquer pour rien. Mais bon, il a Ça se trouve arrêté que t'es déjà de son m'attaquer maître à pour rien. partir du moment où t'as posé l'œuf, hein? Je pense pas. Honnêtement, je pense Il va que falloir que tu les je suis en train déduques. de lire. Je suis en train de lire en fait quelque part qu'il faut attendre qu'il soit grand pour pouvoir le dompter en fait. D'accord. Il faut attendre qu'il soit grand pour pouvoir le dompter. Donc Fanta, est-ce que tu peux le m'aider à faire une cage? Ouais, tout La à fait. bouse, la bouse. Va chercher 10 kilotonnes de bouse. Ok. On va enfermer cet enfant de salaud jusqu'à ce qu'il soit. Est-ce qu'il peut être enfermé seulement? Eh oui, il va être enfermé. Vas-y. La cobble, ça te va? Oui, n'importe quoi. Du moment que tu dessines un cercle au sol vers moi, tu fais du 4 sur 4, un peu plus Je gros t'enferme peut-être. dedans alors. Ouais, vas-y, ouais. Ferme-moi dedans, la rigueur. Hésite pas à faire grand, hein, par contre, hein, parce qu'il va grandir le truc, donc. Voilà. Bien grand, bien grand. Ma femme, elle est souvent. Voilà. Élève-le un peu, hein, c'est 3 de hauteur au moins. Sauf sur un que je puisse sortir. Tu te feras un petit escalier, puis tu vas te barrer. Ou je vais me transformer, c'est une bonne idée. Hein. Je vais me transformer en chauve-souris. Ça sera mieux avec du verre, mais bon, on n'a pas le temps, c'est la fin de Voilà. l'épisode.
Ah, les dissidents, l'enfoiré. Non! Attends, attends, je vais le faire re-rentrer, je vais le faire re-rentrer. Reviens, reviens. Reviens, reviens. Il est revenu. Il est rentré dedans, il est rentré dedans. Moi, j'ai ramené mes minions, moi, comme un ouf. Aïe, 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 il me fait mal, il me fait mal. Mais tout va bien, tout va bien. Il est où? Il est en bas, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah, ouf. Eh ben, dis donc. Eh ben, on a un dragon. Que... Bah, j'imagine que d'ici le prochain épisode, on sera déco-reco assez longtemps. Il finira par s'y faire. Mais carrément, entre les dinosaures et les dragons, les amis, vous êtes gâtés. Je vous invite, voilà. Et j'en profite, à quémander un petit pouce bleu. N'hésitez pas à nous faire plaisir en mettant un. Hein. Ça fait toujours plaisir. Vous connaissez... Ça aide, ça aide. Ouais. Et puis nous on va partir en week-end Bob et Austin Fest et c'est magnifique et on se dit rendez-vous très très bientôt sur Fanta Bob Games et The Fantasio 974 pour encore plus d'aventures délirantes. Mon voilà petit Bob, petit message, que si j'ai comme petit message. J'arrive, je suis désolé. Tac. Et maintenant, dragon, pour l'instant, tu es sauvage, pour l'instant, tu es infidèle, pour l'instant, tu es dissident, mais j'en ai maté des plus forts que toi, ma femme, pour commencer. T'as plus aucune chance. Ouais, c'est ça, fais autant de bruit que tu veux, Germaine, j'en ai rien à foutre. Voilà, et n'hésitez pas, alors le fanart aujourd'hui c'est Kiki, hein, Kiki le magnifique, merci beaucoup pour ton fanart, et qu'est-ce que j'ai envie de dire, les fanarts vous me les envoyez avec une mention sur Twitter, @thefantasio974, @roilenon aussi, voilà, super, tout est dit. Là. Ah, regarde ça, pas de lézard. Hey, tu sais que j'ai... Attends, est-ce que j'ai mis assez de poisson? Il te reste du poisson cru? Oui, j'en ai 23, tu veux que j'essaye de le mettre dedans? Mais il est prévu pour le dragon, tu sais. Tu sais que mon œuf de brachiosaur va pas tarder à sortir là. Hein. J'en mets 5 en plus, ça aide. Ouais ouais, ça avance tout doucement, tout doucement. Tu vois l'ADN qui passe de l'un à l'autre? Ah d'accord. Oh sympathique. D'accord. Donc il lui faut de la matière première. Bah écoute. Le poisson a l'air de marcher. La matière organique et un seau de lait, ça suffit. C'est pour ça que je voulais du lait, mais on n'a pas de vache. D'accord, mais c'est juste pas possible. Et du coup, il faudra attendre pour la prochaine fois. Et ben voilà, pas mal d'aventures. Kiki a été perdu dans la nature. Mimi s'est réveillée. Les larbins sont toujours là. Ils sont toujours dissidents. Et le dragon, enfin, s'est enlevé de son œuf et finalement s'est montré beaucoup moins accommodant que ce qu'on l'espérait. Mais c'est pas grave, écoute, hein, on va le mater sans ce petit salaud. Et promis, d'ici de la fin de la série, on aura au moins un dragon chacun, parce que sinon, ça ne veut absolument rien dire. Voilà. Sur ce, chers amis, n'hésitez pas, un petit pouce vert, ça fait toujours plaisir. Gros bisous à tous, et à la prochaine. Allez, zou. Bisous.